Il y a une application qu'il faut absolument utiliser si vous avez envie de monter sur votre smartphone ou sur votre tablette aussi, parce que ça fonctionne aussi sur tablette. C'est une application qui est idéale si vous avez envie de gagner en confort, de gagner en productivité, de gagner en termes de temps aussi. C'est une application qui permet de gagner beaucoup de temps. Cette application, c'est LumaFusion. Alors, deux points super importants, si vous ne connaissez pas encore cette application, je vais vous la présenter, voilà, juste en 2-3 minutes pour vous montrer à quel point elle est top. Et si vous connaissez cette application mais que vous ne l'utilisez toujours pas, je vais vous montrer plusieurs points qui, moi, m'ont convaincu et qui devraient vous faire gagner du temps, gagner du confort de montage aussi et gagner, voilà, en productivité. Donc, je vous montre tout ça maintenant. Alors, je vais vous faire une petite présentation vraiment rapide pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il est possible de faire, comment gagner du temps. Enfin, c'est vraiment une application que j'adore. Donc là, je vous filme tout ça sur l'écran de mon iPad, mais c'est exactement la même chose si vous faites ça sur voilà, sur n'importe quel smartphone où vous pouvez télécharger l'application LumaFusion. Donc elle se présente très simplement. En haut à gauche ici, on a toutes les petites les dossiers qu'on peut ouvrir, que ce soit des fichiers, importer de la musique, nos photos, enfin tous nos documents. Ici à droite, on peut visualiser un petit peu le document qu'on a choisi. On va pouvoir le rogner, couper comme ça, hop, on peut le découper là où on veut. Enfin, on peut vraiment faire pas mal de choses, visualiser, on va pouvoir l'importer. Et en bas, on a notre timeline, donc où on peut importer directement en glisser, déposer des fichiers. Donc c'est hyper cool déjà le fait de vraiment de faire tout ça de la pointe du doigt, pas besoin de clavier, pas besoin de souris, on glisse, on dépose, c'est hyper intuitif, moi j'adore. Dans les documents, on peut en sélectionner plusieurs d'un coup, voilà, on peut sélectionner plusieurs, appuyer sur le petit bouton et hop, ça importe tout directement. Donc ça c'est top, ça permet de gagner beaucoup de temps. Donc c'est hyper pratique. Vous l'avez vu, c'est assez simple, c'est intuitif de s'en servir. On peut découper, il y a tous les outils qui sont en bas pour pouvoir décrocher, enfin dupliquer quelque chose, séparer la bande son, modifier, donc on le verra après, mais modification, il y a beaucoup de choses. On va pouvoir couper, hop, couper, supprimer, donc vraiment en quelques instants, on appuie sur le ciseau, ça découpe, on sélectionne, on met poubelle. On peut réduire découper comme ça, réduire la taille du fichier, découper. Énormément de choses pour le déplacer, pour le mettre où on veut, on le déplace aussi du bout du doigt, donc vraiment on appuie là, on visualise ce qu'on était en train de faire, donc vraiment c'est hyper pratique et simple et intuitif, ça moi j'adore vraiment. Donc voilà, très simple, intuitif, il n'y a pas besoin d'être un pro du montage, c'est vraiment, c'est le but des applications. Souvent les applications sont beaucoup plus simples que des logiciels sur internet. Après, on n'est pas du tout limité, que ce soit un gros problème, un gros projet ou un petit projet, on va pouvoir vraiment faire ce qu'on veut. On peut importer, voilà, on peut travailler sur, là je vous donne un petit exemple, on peut travailler sur plusieurs pistes de vidéos. Donc voilà, déjà là j'en ai mis 3, je peux en rajouter une quatrième. Donc voilà, on peut travailler sur plusieurs pistes, je ne sais pas si jusqu'à combien je peux aller. Voilà, vraiment, on peut avoir beaucoup de pistes de vidéos. Pareil pour le son. Si je duplique le son et je l'ai... On peut avoir 5, je sais plus combien exactement. Mais pour montrer qu'on peut travailler sur beaucoup de pistes vidéo et sonore en même temps. Donc, que vous vouliez faire un gros projet, un petit projet, importer beaucoup de vidéos, faire du sound design et tout, vous pourrez faire ce que vous voulez.
Comme je vous le disais, cette application est vraiment top. Donc si ça vous intéresse, dans les prochaines vidéos, je partagerai avec vous un peu des tutos pour prendre en main l'application, toutes les petites fonctions qui sont cachées, parce que même si c'est une application qui est simple d'utilisation, il y a plein de petites fonctions qui sont cachées et qu'on connaît pas forcément. Donc je partagerai tout ça dans les prochaines vidéos. Voilà. Une petite vidéo de temps en temps. Et si vous intéressez à la vidéo mobile, si vous avez envie d'apprendre à filmer, monter et partager des vidéos avec vos smartphones, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et vous pouvez commencer par aller voir la playlist qui est ici, où j'ai partagé déjà pas mal d'astuces. Donc vous pouvez aller voir tout ça. Je parlais aussi bien d'applications, de conseils pour filmer et de matériel aussi. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut.